bonne aide défensive de Benoît Mangin. Pas de faute, mais ce ballon qui retombe dans les mains d'Amine Noua qui. Portelois qui met trop de temps à s'ajuster. Greffi, c'est difficile, mais c'est magnifique. Alex Taïeus qui pourtant. Meilleur passeur également de cette équipe de l'ASVEL. Et le jeu à deux parfaitement exécuté dans l'axe. Eh oui! Eh oui! Nando de Colo. Jeu posté. Yves Ponce. Et... Allen qui donne à Benoît Mangin. Mike Sell, le petit flash. Et Alex Taïeus qui veillait au grain. Qui donne une nouvelle possession à ses coéquipiers. Nando de Colo. Se heurte au mur Zekwizi. Et une contre-attaque d'école. On partage les vivres côté Portelois. Le dernier ballon. Passer potentiellement devant juste avant le retour au vestiaire. Et Alex Taïeus, le N1. Nadir Effi un tout petit peu en retard là sur. Vous savez un petit peu tout ce qui s'est passé statistiquement. On vous l'a dit, hein, deux des trois meilleures défenses du championnat. Donc offensivement, ce n'est pas exceptionnel. Mais. Maxer. Qui attend le tout dernier moment. Zekwizi long et Nando de Colo. Toujours les yeux levés. Aux deux premières places. Juste derrière Monaco qui est irrattrapable. Nando de Colo. Oh, ce petit bijou. De passe, le flash après la pause d'écran d'Amine Noua. Il manque de réalisme sur la fin. Benoît Mangin. Tranquillou. Mais. Un enchaînement de lay-up raté. Yves Ponce de retour. Sur le parquet. Et Antoine Dieu, l'attrape et tire, Antoine Dieu. 7 secondes sur l'horloge des 24. Alex Taïeus qui donne dans le corner, Matthews. Trop élevé. Mais il apprécie tout de même la volonté de donner le bon ballon et Zekwizi. Suffisamment de temps pour le portel pour réduire l'écart. Par contre, va falloir concrétiser les opportunités. Maxel, le bon rebond offensif. On saute à la gorge du vis-à-vis qui joue en homme à homme. Et la belle exécution sur la remise en jeu. À 5 minutes de la fin du match. Nando de Colo qui va, bien entendu, essayer de reprendre le contrôle. Et petite passe à terre. Le spacing qui... Mais en porte-à-faux, le portel sur les aides défensives. Alors que Benoît Mangin, avec beaucoup de touchés, l'aide défensive, même si elle a la volonté d'être là, elle ne le peut pas, tout simplement. David Lighty. Ryan Mixer qui anticipe parfaitement le mouvement de cette légende de l'ASVEL. Et pour les portelois. De venir s'imposer aujourd'hui à 4 minutes 20 de la fin alors qu'on voit le petit alley-oop d'Ibost. L'ASVEL va pouvoir gérer tranquillement cette fin de match désormais. Portelois qui vont jouer jusqu'au bout. Oh oui! Oh oui! Kassiama, le petit end-off. Je dis des maïs balou. Va probablement juste garder ce ballon. Victoire des hommes de Terrence Parker qui lorgne plus que jamais sur cette deuxième place.